Bonjour Nutritionnel, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Aujourd'hui, on est là pour ouvrir la dernière Woodbox du mois de septembre, je crois, si je dis pas de bêtises. On va savoir ça tout de suite, je vais vous dire ça tout de suite. Du coup, on va l'ouvrir. Voilà, du coup, oui, c'est bien, c'est de septembre. Pour pas que je dise de bêtises. Voilà, septembre 2021, best of. Voilà. Du coup, j'ai un petit peu vu. Il faut bien que je fasse. Hop. Je fais ça sur mon bureau. C'est pas pratique, je vous le dis. Parce qu'en plus, je suis en train de mettre une vidéo pour vous lundi matin. Parce que là, on est dimanche. Et du coup, je suis en train de tourner pour la vidéo de vendredi. Comme ça, après, je vais la monter. Du coup, je vous montre. On a ceci qui est un scooch, coochie, coochie. Vous voyez un truc tout mou, mais voilà. Je vais essayer de abîmer la boîte quand même. Voilà, ça se présente comme ceci. C'est un casque qui fait, mais plutôt en décoration, je pense, parce qu'elle est quand même assez dure. Voilà. Hop, hop, hop. Je le remets dans sa boîte. Après, je prends le petit pince qui est juste ici. J'ai un petit chat qui s'est installé dans le lit. Il est comme ceci. Hop. C'est un best of. Live while be. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Après, je prends ceci. Qui est Harry Potter. Ah oui, ça c'était Star Wars. J'aime pas ça. Et si c'est Harry Potter, vous voyez pas trop bien. Je sais pas c'est quoi les petits trucs noirs. Du coup, on va quand même l'ouvrir. J'ai un truc qui vient de tomber dessus. J'aime bien, mais je suis quand même ivrant à la caméra. Du coup, on a la baguette magique comme ceci, qui est un bic. Ah non, un crayon. Oh, celui-ci, c'est un crayon. Oh, chouette, c'est un crayon. Voilà, c'est un crayon du coup. C'est un crayon de bois. Crayon papier. De bois, de papier. Comme tout le monde veut dire. Du coup, je pense que les petits fantômes, c'est des gommes. Enfin, c'est pas des fantômes, c'est des... Je ne sais plus le nom. Voilà. Et là, on a la ficelle. Je suppose qu'on sait la mettre quelque part. Je ne sais pas où. Mais il y a un bout de ficelle. Voilà. Et vous avez trois gommes qui est les... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc, je ne suis pas fan d'Harry Potter à 100%. Voilà. Mais je ne sais pas. J'hésite de... quand même passer ça à mon ami si elle le veut. Et alors on a une belle carte dedans. C'est rare quand ils mettent ça, je la garderai bien pour moi. Ça, on voit pas que c'est Harry Potter, hein. Voilà, je vais quand même la remettre dedans. Je ferai ça après. Et alors on a une surprise, j'avais pas vu, mais on a deux figurines, mais je vous les montre après. Du coup on a ça. Voilà, moi je sais c'est quoi, parce que je sais pas si vous voyez là. Bon, j'ai fait tomber le bic. Super. On fait l'arrache. Je crois qu'il va être mis pas sans trop tarder. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. C'est Mario Japon. Du coup, je vous montre comme d'habitude. Il est marqué là. Vous avez le tag. Là. Hop. Et voilà. Il est trop beau. J'aime bien la matière. Elle est agréable. Ça m'ennuie de les bic. Je crois que je marche dessus. J'ai remarché la moitié. Et après, on a une surprise. Logiquement, on a d'habitude une figurine. Voilà. Du coup, je vous la montre.
C'est de Spider-Man, Maxi Menou, Menon, Venom, c'est ça. Voilà. Il est très moche. Il est très moche. On va quand même vous la sortir. Elle est énorme. Ah, c'est une tête bubble. C'est une tête bubble. Elle est énorme. Elle est vraiment bien détaillée. Là, il était à genoux. Je vous montre les détails. Là, il y a des trous de main dans sa cape. Je ne sais pas si c'est comme ça. Je n'ai jamais regardé le. Ces trucs. J'avais regardé un petit peu au début quand j'étais encore avec mon frère. Il était tout petit. Mais après, j'ai plus jamais regardé. Du coup, on va remettre dans sa box. Hop. Et c'est pas fini. D'habitude, c'est terminé. On n'a plus rien. Mais non, cette fois-ci, on a une deuxième pop. C'est bien cette box. Pour ma dernière box, c'est super. En fait, pour ceux qui ont un abonnement, ils ont mis deux pops ce mois-ci. Voilà. Du coup, celui-ci, c'est aussi Spider-Man Maximus Venom. Voilà. Et c'est Groot. Et je vous montre, parce que l'autre, je ne vous l'avais pas montré, la collection. Du coup, il y en a deux sur quatre. Voilà. Peut-être que les autres abonnés ont eu les autres. Toi, tu vas te mettre là. Voilà. Mais moi, j'ai eu ces deux-là. Moi, le seul truc que j'aime encore bien, c'est Groot, il est beau. Même pas, je sais même pas si c'est un gentil ou un méchant. Hop. C'est aussi une tête belle. Je suis pas fan de la tête Bubble. Voilà Groot. Mais je suis pas fan de son costume. Enfin, de son transformation de je ne sais pas quoi. Avec ses plantes zombies là. Enfin, derrière, il n'y a pas. Voilà. Je sais pas si vous voyez le petit détail sur sa main. Hop. Là, il y a des petites plantes. Voilà. Il va comme ça. Je vais le remettre quand même parce que voilà, hop, c'est beaucoup mieux. Et du coup, je vais vous transformer la boîte. Et voilà, je reviens avec la box retournée comme par magie, mais non pas par magie. Voilà, elle se retrouve comme ceci. C'est le sac, la valise d'Harry Potter. Voilà. Il y a des petites dessins. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir là. Les détails. Enfin, mon clavier vient de se casser la gueule. Vous avez des petits stickers sur la boîte. Des petits. Voilà. Elle est. Il n'y a rien d'autre à part. Voilà. Elle est plus soft que d'habitude. Et j'aime beaucoup les boîtes un peu plus soft. Bon, même si je ne les garde pas tous. Voilà. Parce que ça prend de la place. Du coup, voilà. Voilà, je vous ai tout montré. On va quand même regarder le petit fascicule pour vous parler. Voilà. Celle que je devais avoir de base, c'est celle-ci qui est à 14,99 la figurine. Ouais. En plus, je ne vais pas en français. Voilà, à 14,99. Le t-shirt qu'on a ici de Mario que je vous remonte. Voilà, il est trop beau. Il vaut 20 euros. Le truc que j'ai perdu. Là, il me manque une gomme, mais c'est pas grave. Ceci, il en vaut 10,99. Le Scoochie, je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, j'ai mis dans la boîte. Le Scoochie, là, la tête de casque, il en vaut 8 euros. Le pins, mais ça ne change pas. 4,99. Et alors, celle-ci, c'est exclusif. Une pop
mystérieux mystère offert dans toutes vos abonnements. Bon, même si vous avez pris une autre box, il y a d'autres box pour le moment qui est aussi intéressante là. Mon chéri aime bien la box gaming. Il y a Harry Potter, il y a Star Wars, il y a comics et il y a 100% 21 manga, Spider-Man gaming et télé. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est les box pour le moment. Si ça vous dit, n'hésitez pas à aller les retrouver sur Roblox. Voilà, c'est les boss exclusifs. Voilà, du coup, voilà. Je suis contente de voir deux portes quand même. Voilà, elles sont très belles. Même si je suis pas fan de cet univers Marvel, ben voilà, ça peut faire plaisir à quelqu'un d'autre que moi. Parce que je pense faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Le reste, ça va. Pour le truc qui me préfère, c'est quand même le t-shirt. Parce que j'aime bien Mario. Du coup, voilà. C'est le t-shirt que je pense que je mettrai. C'est sûr. Puis ça, c'est toujours pratique. C'est un crayon. On peut l'utiliser avec quelques gommes. Voilà. Bon, le pins, voilà. C'est toujours la même chose que d'habitude. Mais c'est bien aussi parce que je les garde pour le moment. Enfin, parce que depuis toutes les box, je les ai gardées. Voilà, ben voilà, j'ai plus rien d'autre à vous montrer dans la box. J'espère que tous les items vous aimez bien. Dites-moi lequel que vous voudrez me piquer. Voilà, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis.